Et chaque soir, tu fais l'autoroute. Hein. D'accord. On va passer sur l'Oder. Ouais. Alors, pas d'escalette. Alors attends, ça, je le récupère. Il est branché, oui. Ouais. Donc voilà. On lance l'audio tout de suite. C'est un avion qui a été restauré, ça, non? Oh oui, hein, date de 1960. Ouais, parce que c'est un avion FG, alors que les lieux étaient mettre un AB d'abord. Il est pas jeune. Allez, personne devant. Donc ça s'enregistre. Allez, c'est parti. Alors, bon. Allez, t'es prêt, Pascal? Ok, je suis prêt. Allez, à toi les commandes. On reprend le bazar en main. Donc, il est 35, on va dire qu'on peut. Juliette Abio qui circule en France pendant le secteur sud-est à destination de QM. Station de QRS, bon. Donc on va dire qu'on va voler un quart d'heure dans un sens. Un quart d'heure. Oui, à la limite, ce que tu fais, voilà. Bon, ça va un quart d'heure, si on n'est pas sur le Sonago, tu fais demi-tour, c'est bon. Voilà, ouais. Ces moteurs, dont je sens. Je suis attaché. Attaché, oui. Attaché. Allez, okay. C'est parti. Fox, bravo Victor, on commente la piste pour un décollage en 32. On est parti. Voilà, on va remonter un petit peu là. Ouais.
Et il parlait d'un trou sur la 32, il est où? C'est pas un trou sur la piste? Et si, il parlait sur le notable. Bah ouais, un trou sur la piste en train de... Bah ouais, 150 mètres avant le seuil. Ah bon. La vente arrière là. En fin de vente arrière, il y a l'hospitalier, donc faut faire une maillonnette à droite pour les vider. D'accord. Retenez-vous du bosquet là. Et dernièrement, il y a eu des plaintes. Des plaintes, ouais. Les riverains qui se plaignent. Donc, bravo Victor, on s'aligne d'école 32. Alors, t'as un cran de volée, tu as la pompe, aéro neutre, on est bon. Ok. Le compas. Ben, c'est parti, allez. Ok, alors, marche en arrière, pleine puissance. Le manche au neutre. Alors ramène-le vers le neutre. Voilà. Allez, à ligne de vol maintenant. Allez, on lui pousse un peu le manche. Voilà. C'est un avion qui est sensible, je sais bien. Ah ouais. Voilà. Alors, il est trop pile là. Bon, on fixe 10-15 minutes. Hein. Alors on va essayer de ne pas déranger les gens de l'hospitalier. Voilà. Alors tu peux rentrer tes volets. Hop là. Et on va faire un virage à droite là. À gauche, pardon. À gauche, ouais. On va suivre l'autoroute. D'accord. On la suit 10 minutes dans un sens, 10 minutes dans l'autre, 10 minutes de se perdre. Bon, c'est bon, on a vu l'autoroute, c'est bien. Alors donc, la Bastide, c'est par derrière là? C'est la vallée qui est là, là. Ouais. La petite vallée là. Donc tu restes comme ça, l'hospitalier est en bout de piste pratiquement. L'hospitalier, c'est lequel? Le... D'accord. Ah oui, non, c'est la cavalerie en haut alors. Oui, là c'est la cavalerie en haut. Et après, tu t'allies sur l'autoroute. D'accord. Bah, je suis pas très coutumier du terrain. Les goules, c'est par là-bas, c'est ça? C'est par là-bas, ouais. On va hospitaler en dessous. On va rester à 4000, hein? D'accord. Ouais, comme ça, on reste en dessous des zones de Montpellier. À la 4000. Voilà. La 7, elle arrive, hein? Voilà, avec le temps compensateur, ouais. De la vitesse, hein. Là je le monte jusqu'à 200-220. Voilà. La couverture rade, c'est de quel côté? C'est vers la gauche. Par là-bas? Ouais. D'accord. C'est pas le petit village, non? Non, on le voit pas d'ici, normalement. Parce que c'est ballonné, on voit pas, normalement. Tu réduis vers 2450.
Ah pardon, oui. Voilà. C'est pas le lancer à goût qu'on voit là-bas au fond, là-haut.
c'est de la brume. Très bien. Au fond, à gauche là-bas. C'est ça. Ah non, midi à peu près, non. Tout au fond là-bas, c'est 7. D'accord, on va tourner au fond là-bas. Oh, mais c'est peut-être de la brume là, que je vois. Ouais. Ouais, juste à gauche, là, tu veux dire entre les deux mamelons là. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Si on est à l'Odev, c'est ça la goût, bah si, elle est juste derrière là-bas. Ouais, de l'Odev, on est à combien? On est à 5 minutes du Salagou, quoi. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que je voyais là-bas? Ouais, c'est ça, c'était des petites falaises, là, ouais. C'est de la brume ou c'est le lac là? Là c'est de la brume ça non? Oh c'est le lac ça non? Ça se reflète, la montagne se reflète dedans. C'était de la brume, le lac se reflèterait pas dedans. Ah ouais. Effectivement on voit la petite montagne là. Ouais. Donc on va tourner là-bas. Ouais. Est-ce que c'est qui fait ça là? Ah non, le bruit là c'était quoi? J'ai pas fait attention. Ah bon. Je l'ai pas eu. Avec l'ANR et puis l'ANR a plus de mauvaises oreilles. Ah bon. Tu entends quoi? Ah oui. Ah. Oui, moi aussi j'ai un souffle, mais peut-être dans le sens où j'ai un micro peut-être. Tu entends toujours là? C'est bon, c'est terminé là. C'était l'air qui devait souffler sur le micro de ton oncle. Regarde à gauche là-bas. T'as pas besoin de le chercher, tu le trouves tout seul. Tout de suite, il est là. Ah ouais, ça va vite, hein. Ouais, ça va go finalement, combien Bah, ça fera un quart d'heure. À peine, hein, ouais. Alors, il est 2, il est 3 quart d'heure. Il était 31. Ouais. Donc on va y arriver dans 3-4 minutes. Ouais. Donc la terre à gauche. Et puis là-bas, donc ça fait une vallée, une gorge, qui remonte vers les Gaules. Ah dis donc, ici aussi c'est le pays du soleil, hein, ça se voit. Ah ouais, il y en a un peu. On a l'impression que c'est petit, mais quand t'es à côté, à mon avis... Ah oui, il y a de la surface quand même là, hein, ouais. Oui, parce que là où il y a, il fait la moitié de ça. Hein. Oui. Et ça paraît, effectivement, au sol, ça paraît grand. Ouais. Donc le sol de Boulez est derrière la mer, Rochelle. On a un port Rochelle devant nous. Oui, le sol de Boulez est derrière. Ah, ok. C'est petit, hein, c'est pas très grand. D'accord. Mais ce qu'on a fait, il y a le carreau, qui est un petit village de Boulez en pied, qui est un village moyenâgeux, quoi. Ouais. Du lac quand même. Et donc en dessous ça serait la base de loisirs alors là. Ouais,
effectivement, il y a les bateaux, les... Il y a des tas de randonnées à faire, à pied, à VTT, j'ai pas encore fait, moi. Ouais. Et le soir, c'est très, très joli parce que ça fait une terre rouge. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est du rougier, là. Le soleil, là, c'est joli, du rougier, oui. Ouais, c'est le magnésium, là, je crois. Je sais pas si on prend quelle escalade, je sais pas. Allez, prends pas la balle. Dans la vallée
D'accord. C'est reçu. Apparemment, c'est démonstratif pour la... Ah ben, Orion, c'est là le cirque de Jean, là, si tu connais, là. Oui. Il y a des... Il y a pas mal de voies, j'ai vu. Ouais, il y a des voies, hein. Il y a du 7C, hein. Non, 7C. Ah oui, voilà. En face, c'est le Kinard. Le Kinard. Le Kinard, d'accord. Et puis, Ouais, il me semble que j'ai vu quelque chose tout à l'heure. Regarde-moi ça, là. C'est juste au-dessus, là. Ah, c'est beau. Bah, ça fait un cirque, en fait, là. Petit cirque, ouais. Petit cirque, hein. C'est sympa, là, aussi, hein. Bon, il devait y avoir des sites d'escalade, là. Bon, ça serait pas étonnant. Sauf si c'est trop friable, un truc comme ça, toi, hein. Ouais. Est-ce que j'ai essayé de regarder sa route là-bas, mais ça avait l'air d'être quand même assez bien... Ouais. On va vers le coffre, on a le cirque de Tournemire. Ouais, ce que tu m'avais montré là quand on revenait comme ça. Ouais, ouais. De l'Yette partout. Donc ça c'est la vallée dont tu parlais tout à l'heure là-bas. Qui ouais, la façon, ouais. Ouais. En fait, on voit le terrain là-bas. Hein. Ah, au fond là-bas, ouais. Ah. L'hospitalier là-bas, dans la forêt. Ouais. Ah oui, d'accord. Tu vas dans les verticales là. Ouais. On arrive, on se met comme ça. Ouais, tu veux qu'on gagne du temps, on se fait une ah, sinon, on gagne du temps. Hein. Ah ouais, le mieux c'est de gagner du temps, bien sûr. On va gagner pas du temps, s'il n'y a personne, hein. S'il n'y a personne dessus, ça va être quand. Ouais. Bon, on va aller chercher une longue finale, là. Ouais. Ah ouais, on peut faire une longue finale, c'est vrai. Ouais. C'est pas trop réglementaire, mais c'est pas grave, hein. Non, mais quand il y a personne, bon... Ouais, voilà. Ouais, c'est quand même attentif, Pascal. Il y a personne, et ce mec qui a un collègue qui a pas le radio. Ah ouais, ben bah, oui. C'est déjà arrivé, hein. Oui, c'est déjà arrivé, hein. Ah, mais... Il y a quelqu'un qui disait, mais on... On voyait le voyant de pression d'huile qui s'allumait là, mais en fait c'était le soleil. Ah bon. C'est rassurant. Et donc on a préféré assurer le coup. Je ne vais pas plus sur la droite, c'est déjà la longue finale. Hein. Ouais, je le recherche en Algérie. Je passe légèrement à droite de l'hospitalier. Ouais. Pour l'instant, t'as 4 sur l'hospitalier, puis un peu avant, tu vas dévier pour. De toute façon, c'est celui qui est en face là. Non, juste en face toi là. Ouais, c'est ça là, celui-là là. En bas de la forêt là. Sous le rouge qui passe là. Ouais. Ah, ici on a des retours, hein. Ouais, 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 les retours, d'accord. Là, il commence, ça commence à en avoir quelques-uns, là, ouais. Ah, joli. Voilà, il est beau, hein. Et là, l'autoroute fait un virage comme ça, là, crac, et après c'est derrière là. On est dans le viaduc, voilà. Bon, on est à 2 nautiques du viaduc. Ah. Je passe juste devant, je suis vertical ville de Billot. Ok. À 4500 pieds, je vais prendre direction aéroport de Billot. Ok, ben nous on se mettra dans 10 minutes en tout. Hein. Ah ben on voit bien la piste là. Voilà. C'est l'avantage des pistes en air. Voilà. Parce que les pistes en air, des fois, il faut les trouver. On va s'aligner. D'accord. On va s'en ralentir ou pas encore là? Oh non, on va s'en ralentir encore là. Tu commences à réduire un petit peu ta vitesse. Voilà, tu commences à descendre. On va mettre la pompe, on va mettre le réchauffe.
Allez, j'ai mis le pied à descendre là, d'ici là. Allez là-bas. On réduit vers 1500 tours. On voit bien le seuil là. Ouais. Fox, bravo Victor, on est en langue finale de piste 32 pour en complet. Oh là là, on sortira un cran de volée. Ok, un cran à gauche. Bon. Ok, 150. Ouais, tu vas laisser la vitesse réduire vers 130 pour l'instant. Ouais. Voilà. Voilà, ajuste un peu ta puissance. Voilà, 130. Voilà, on optimise. Deuxième cran. Pour l'instant, oui, voilà, tu peux mettre le deuxième cran, ouais. Deux crans, hop là. Voilà, garde, tu peux garder 130 pour l'instant. Garde 130. Vu qu'elle n'est pas si mauvaise comme ça, la partie dégagée, là, on va se poser un petit peu avant. Ok, pour 130. Voilà, garde 130 et se veille en plan comme ça là. Ouais. Voilà, ne passe pas trop bas. Voilà, on est bien là. Ah oui, tu comprends pourquoi le seuil décalé là. Eh oui, passage des 15 mètres. Ah, voilà, 120. On garde 120 comme ça. À milieu Urbex, Yankee Fox. À 2 minutes du terrain, je vais faire une longue finale 32. À lui aussi. Merci. Allez, tu réduis. Réduis tout. On réduit tout. On réduit tout, le descendre. Voilà, garde l'eau du sol comme ça. Voilà. Ah, c'est génial ça. Voilà. C'est câble. Garde bien la manche en arrière. Ouais, je tire dessus. La tour est réduite. Fox, bravo Victor, vitesse contrôlée, 180, on remonte la piste. Bio Larzac, long final 32. Voilà. On rentre les volets. Un cran. On peut couper la pompe. Et on évite de perdre trop de temps. On va dégager, ouais. Ah, y a le mec qui arrive, mais maintenant ouais. On dégage rapide. Ah, c'est impeccable, tu vois, c'est 11h. Ah ouais, voilà, c'est nickel. Ça le fait bien, le temps de réembarquer, de dire au revoir. On est dans le taf à peu près. Ouais. C'est rapide une demi-heure. Ouais. C'est rapide une demi-heure. Ouais. On est sur les quand on regarde le bas, quand on est en vol. Ça change toujours, ça change du tout. Fox, bravo Victor, on est dégagé. Ouais. Normalement, en vol, on voyait moins vite. Hein. Eh ouais. Bio, correction Yankee Fox, ce n'est pas la 32, je posais en 14. En finale 14. Ah, ça paraît plus logique. Ah oui, la manche à air, elle est cometteuse. C'est vrai que la manche à air, elle est... Bio, l'avion qui roule, qui va au parking, estimation du vent. Actuellement, le vent est nul, il n'y a pas de souci, hein, on peut poursuivre, il n'y a personne dans le circuit. Reçu, merci, je suis en finale 14, pour un complet. Bravo Victor, au parking, je quitte la voiture.
Merci bien à tous les deux. Il n'y a pas de quoi. Merci. Merci à vous pour les indications aussi. C'est normal. On est bien le pays, bien sûr. Surtout que moi, je vole à vue, vraiment. Oui. Je n'avais pas de GPS, alors. Oh, ben non, c'est vol à vue. C'est quand même cool de voler à vue, comme ça. Le problème, c'est que le compas, il n'est pas juste. Ah oui. Alors, je suis obligé de vraiment de prendre des repères remarquables. Sinon, tu te fais piéger. Ouais. Tiens, toi, regarde, 34 minutes. Ouais, 34 minutes. Super. Hop là. Je récupère.